Bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue à ce moment de prière. Le Seigneur est vivant, il est roi, il parle à son peuple, il vient à la rencontre de son peuple, il fortifie son peuple, il guérit son peuple. Son bras est si fort pour protéger son peuple. Il est le berger et nous sommes son troupeau. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, partie du verset 13, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie. » ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que l'église dise ce soir, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que les faibles disent ce soir, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que ceux qui pleurent disent ce soir, Seigneur, pour moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que ceux qui sont perdus, fatigués, qui se lamentent, disent ce soir, Seigneur Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que les paralytiques, que les aveugles, les boiteux disent ce soir, Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Jésus a dit, les portes du séjour de mort ne proviendront point contre elle, contre cette église. Les portes de l'enfer ne pourront jamais résister devant cette église. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élévons, nous te magnifions, car tu es Dieu, car tu nous as sauvés. Car tu es le roi de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Ce soir, Seigneur, ouvre ton ciel. Ouvre les écluses des cieux. Visite ton peuple. Seigneur, ce soir, nous sommes sortis d'Égypte en direction de la mer, puisque tu as parlé. Nous voici maintenant, prêts à voir le miracle, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Ce soir, les peuples sont venus à ta rencontre. Les vies sont là devant toi, Seigneur. Il y a de ceux qui sont portés avec les portiques. Il y a de ceux, Seigneur Jésus, que l'on a soulevé comme le paralytique. Et on vient jusqu'à toi, Seigneur. Parle. Ton église écoute. Parle. Ton serviteur écoute. Parle, Seigneur. Nous sommes là, nous attendons, nous écoutons ta voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, merci, Seigneur, parce que tu es là et tu es fidèle à ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es là, tu accomplis ta parole. Merci parce que tu nous sanctifies, tu nous laves par ton sang. Merci pour l'espérance du royaume des cieux. Et merci. Parce que ton esprit nous touche, c'est l'esprit qui crie Abba Père, Abba Père. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais un esprit de force, de puissance et de crainte de Dieu. Un esprit de sagesse qui nous permet de crier Abba Père. Bénis ces instants, Seigneur, pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sortons d'ici, Seigneur, de ce moment de prière. Des gens sauvés, des gens qui ont vu Dieu comme Zacharie. Nous sortons de là, Seigneur, avec un bâton, comme à la rencontre avec Moïse.
Seigneur, nous sortons de ce moment de prière avec une flamme nouvelle. C'est le Christ élevé, élevé, élevé dans nos vies, élevé dans nos vies, élevé dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Ce soir, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous ce soir. Un rendez-vous des guerriers du Seigneur. Ce soir, c'est un rendez-vous de ceux qui croient en la puissance de la parole de Dieu. Jésus a dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. Luc chapitre 8, le verset 50. N'aie pas peur, crois seulement. Ce soir, bien-aimés, nous sommes dans le langage de la croyance, de la foi. Voici notre texte de base. Habacuc chapitre 2, le verset 4. Prends ta Bible. Habacuc chapitre 2, le verset 4. Habacuc chapitre 2, le verset 4. La Bible dit, il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Bien-aimé, ce soir, nous sommes les justes qui doivent vivre par la foi. Dans la traversée du désert, il y a une lampe que nous devons avoir. C'est la parole. La parole qui doit être une lampe qui éclaire nos sentiers. La parole qui est une puissance qui renverse les forteresses. La parole qui est la référence de notre vie. Et cette parole demeure dans notre foi. Nous vivons par la foi. Le juste vivra par la foi. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est cette situation, ce fardeau, ce poids que tu portes. Et je crois une chose. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. C'est Jésus qui l'a dit. Jean chapitre 14, le verset 12. Il y a une flamme ce soir dans la présence de Dieu. Jésus-Christ va recoudre ce tissu de la foi qui est déchiré. La Bible dit, c'est parce que vous manquez de foi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là. Et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici. Et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cette parole, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dite. Matthieu chapitre 17, le verset 20. La foi. La foi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes chapitre 16, le verset 31. Maintenant, nous allons prier. Ce soir, tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas parler à ton Seigneur. Tu vas parler à ton Sauveur. Tu vas parler à ton Sauveur ce soir. Ce soir, tu vas élever ta voix. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire, Père, me voici devant toi. Père, me voici dans ta présence. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui m'a sauvé, je viens à tes pieds. Je viens me plier à tes plaies. Je viens me jeter à tes pieds. Je viens me prosterner à tes pieds. Par la puissance du Saint-Esprit, je sais que tu m'écoutes. Je sais que ton oreille de Père m'écoute. Je sais que tu es là. C'est dans ta présence que je viens, Seigneur. La Bible dit,
dans le livre d'Hébreux chapitre 12, le verset 2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y était attachée. Quelle puissance d'évangile! Alléluia, 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 alléluia. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, il est Seigneur, il est roi de gloire, il est Seigneur, il est roi de gloire, il est Dieu tout-puissant, il est Dieu tout-puissant, il est Dieu tout-puissant, bien-aimé, il règne à jamais, il est sauveur du monde, il est Seigneur. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 4, le verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ne doute pas, crois ce soir, et quelque chose se passe. Ne doute pas, crois ce soir, et quelque chose se passe. Aucun autre nom que Jésus-Christ. Ce soir, Jésus prend sa place. Aucun autre nom, bien-aimé, que celui de Jésus-Christ. Ce soir, nous prêchons Sabaoth, nous prêchons le ressuscité du troisième jour. Nous élevons celui qui est assis au trône, sur le trône, celui qui est Dieu. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 4, le verset 31, « Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Je ne sais pas quelle est ton attitude. Tu peux t'incliner, tu peux te prosterner, tu peux dormir. Bien-aimé, tu peux te prosterner, t'incliner. Prends la position de la foi. Ce qui compte, c'est ta foi, bien-aimé. Tu dois parler à Dieu ce soir. Tu vas parler à Dieu ce soir. Tu vas crier au ciel, au trône de Dieu ce soir. Tu vas crier à celui qui règne ce soir. Israël avait vu la puissante main de l'Éternel qui les avait dirigés contre les Égyptiens. Et le peuple, la Bible dit que le peuple craignit Dieu et il crut en l'Éternel. Le peuple avait cru en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Le peuple avait cru en l'Éternel. La main de Dieu est disponible. Exode 14, 31. La main de Dieu est disponible. Elle est disponible ce soir. Maintenant, nous allons prier. Tu vas prier. Maintenant, nous allons prier. Nous allons entrer dans le moment de prière. Dans un moment de prière maintenant. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous entrons maintenant dans un moment de prière. Nous allons maintenant entrer dans un moment de prière. Lève ta main là où tu te trouves. Dis, Seigneur, je viens devant toi. Seigneur, je viens dans ta présence. Tu dis, Jésus, je viens dans ta présence. Ce soir, bien-aimé, crie à Jésus, crie à Jésus. Dis, Seigneur Jésus, tu me connais depuis mon enfance. Tu connais l'histoire de ma vie, Seigneur. C'est toi qui m'as sauvé depuis mon enfance. Tu as cicatrisé les blessures de mon enfance, Seigneur. Tu as cicatrisé les blessures de mon parcours. Ce qui était, je devais mourir, Seigneur. Tu connais cette histoire. Voyez bien, tu connais, Seigneur. Histoire en goye biango, tu la connais. Tu connais les parcours, tu connais les hauts et les bas, Seigneur. Tu connais ce parcours.
Tu connais mon faible commencement. Tu connais quand je pleurais, quand j'étais dépouillé de tout, quand Satan m'avait exploité, quand j'avais péché, quand la loi de la condamnation et de la mort me suivait. Tu m'avais secouru, Seigneur. Tu m'avais secouru, Seigneur. Tu peux encore faire, Seigneur Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur, tu n'as pas changé. Regarde ce fardeau, Seigneur. Regarde les années qui ont changé, Seigneur Jésus. Regarde ce combat, Seigneur Jésus. Les années passent. Le poids s'ajoute, le calvaire. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Dis seulement un mot. Nzambite la ma vova. Tuba kaka jambu mosi. Ubika ve kiminwa munu ya kubwa. Ubika ve satana kuzoma kiminwa munu nzambi. Ngeke masia, ngeke mvuluzi. Mwane ya nzambi ya moyo. Alléluia. Oh bien-aimé, sois concentré. Le Saint-Esprit est là, il est là, il est là. Il touche la vie. Touche ta vie ce soir. Alléluia. La main de Dieu est là, disponible. Le Seigneur passe. Il touche la vie. Nous invitons la inzo ya munu. Seigneur, regarde ma maison. Nous invitons la kizingo ya munu. Regarde ma vie, Seigneur Jésus. Nzambitala lukolo babana. Inzoya munu tala tala. Seigneur, regarde mes enfants, mes études, mon avenir. Nzambi. Ngemezon zaiki. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Fumu ya munu, fumu seba oti. Seigneur, le Dieu de ma vie, Dieu des armées, je viens m'agenouiller devant toi. Non, je ne sombrerai pas. Je ne coulerai pas. J'irai de l'autre bord avec toi, Seigneur, de l'autre bord avec toi. Que le diable le veuille ou pas, cette histoire va terminer dans la gloire. Mon histoire qui a commencé dans la honte va terminer dans la gloire. Parce que Jésus-Christ est vivant. Seigneur, tu n'as jamais dit que je sombrerai. Mais tu as dit que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin. Je ne veux pas être comme Thomas qui n'avait pas cru. Tu as dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Seigneur, je veux croire, je crois. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Seigneur, dis aussi à moi ce soir, vas-y, ta foi t'a sauvé. Seigneur, dis aussi à moi ce soir, va, ta foi t'a sauvé. Je veux sortir d'ici avec un miracle, Seigneur. Avec un miracle, avec un miracle. Car tu as tant aimé le monde et tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Jésus, tu es présent, Seigneur. Tu as dit que personne ne méprise ma jeunesse, mais que je sois un modèle pour les croyants par tes paroles, la conduite, ton amour, la foi, la pureté. Donne-moi ces choses, Seigneur, afin que je marche pour le royaume, dans ma conduite, dans ma foi, dans ma pureté. Seigneur, ce soir, tu le fais à cause de ton amour. J'écoute la prière de quelqu'un, Seigneur, ce soir. Ta parole a dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Maintenant, Seigneur, par la grâce que tu m'as fait d'être ministre de Dieu, je déclare la guérison de la vie de quelqu'un. Guérison physique, spirituelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, restez vigilants, tenez ferme dans la foi. Soyez courageux, fortifiez-vous.
je n'ai plus peur de rien. Merci Jésus. Je ne crains plus rien. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le bon berger est de notre côté. Satan fuit. Les ténèbres fuient. Les oppositions tombent. Oui, les ténèbres n'ont plus de pouvoir, Seigneur. Le clé de la mort, Seigneur, sont tombés. Celui qui tient les clés de la mort et de la vie, il est le Seigneur. Oui, Seigneur, quand tu tiens la main, nous enfonçons dans les clans de l'ennemi. Le grand Goliath tombe, il se tombe, il se trouve à terre. Il se trouve à terre. Que le Goliath de ta vie se trouve à terre ce soir. Sois en prière. Que le Goliath de ta vie se trouve à terre ce soir. Et que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que les paroles qui ont été dites soient effacées. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sors de cette dépendance, sors de la drogue, sors de ces choses, sors de cette vie, sors de cet aveuglement, sors maintenant, sors de cette perdition, sors de cette dépendance, sors au nom de Jésus, sors maintenant de cette infirmité, sors dans le nom de Jésus, sors, jette des béquilles, sors de cette maladie, sors de ces voix ténébreuses qui sifflaient à ton oreille, sors maintenant de cette vie de pleurs, de cette solitude, sors maintenant de cette malédiction, de cette condamnation, sors dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, sors, sois lavé par le sang de l'agneau, sois lavé dans le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu maintenant se manifeste, au nom de Jésus, que les fondations des ténèbres soient éradiquées. Au nom de Jésus, que les murs du diable tombent maintenant dans le nom de Jésus. Que ta maison soit visitée par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, j'ordonne au prince des ténèbres de libérer ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'un Dieu entre dans ta vie. Le libérateur des vies entre dans ta vie maintenant. Les chaînes sont brisées parce qu'à la croix, il a crié que tout est accompli. Tout est accompli. Les principautés, les démons ont été chassés. Il les a livrés en spectacle. Tout est accompli au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, j'ordonne. Dans le nom de Jésus, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu vivant, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu vivant, sortez maintenant de la fosse où vous avez été enfermés. Bien-aimés, là où tu as été enfermé, la quatrième personne est Jésus-Christ, sois libéré. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, reçois maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, reçois cette grâce. Ne pleure plus, essuie tes larmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne doute pas. Crois maintenant. Crois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus a dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Crois maintenant. Jésus a dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi
vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean chapitre 11, le verset 25 à 26. Crois maintenant. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Crois maintenant. Crois maintenant. Crois maintenant. Crois maintenant. Crois maintenant. Crois maintenant. Jésus-Christ est Seigneur. Crois maintenant qu'il est là, qu'il est présent. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Ce soir, Dieu a parlé. Ce soir, Dieu t'a visité. Dieu t'a visité ce soir. Rends gloire à Jésus. Rends gloire à Jésus. Rends gloire à Jésus ce soir. Le Seigneur t'a visité ce soir. Rends gloire à Jésus. Rends gloire à Jésus. Lève ta main. Tu dis, Seigneur, je crois que tu m'aimes. Tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes. Tu m'aimes, Seigneur. Merci parce que tu es là. Tu m'as libéré. Tu m'as sauvé, Jésus. Tu m'as sauvé. Tu m'as touché, Seigneur. Tu m'as sauvé. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il est Seigneur, il est Sauveur. Lève ta main et adore Dieu. Adore Dieu. Il t'a sauvé. Il t'a libéré. Il est Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sur vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Romains 16, 20. Amen.